C'était un enfer. Oui, oui, voilà, c'était le premier cri de ce Tour de France. J'espère que vous êtes ravis d'être ici. Tous les gens qui sont retournés. Quoi, il y a un problème. Bah ouais, bah viens. Venez vous battre. Allez. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Ça marche bien. Oui, non, mais en vrai, ça, c'est parce que tout à l'heure, il n'y avait pas assez d'espace pour que ça se stocke. Mais en vrai, oui. Yes, les gens, ils sont refaits. Que de l'azote, en fait. Non, mais en vrai, ça, c'est un truc. J'ai un petit peu l'habitude. Ouais, je vais pas vous cacher. Ouais. Ah, ah. Singe. Il y a la sécu qui arrive. Oh, le rhizome. Le rhizome. J'ai eu un retour dans mes oreilles. Le fumé nous a batté, genre, je vais t'enculer. Dallas, c'est pour la semaine prochaine. Pas, regardez, c'est énorme, ça parle d'Overwatch et tout. Ouais, ça joue à Dallas semaine pro, ouais. Ah, ça joue à Dal. Ça joue à Dal. J'avais vraiment envie de coller. Mais en vrai, les gars, il n'y a pas de biais d'absence, les gars. Là, on est juste, en fait, entre nous, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des IRL, où on visite des events, on visite des structures, où on prend la voiture. Malik, ta gueule. On t'a adopté dans une famille bien française, c'est pas pour que tu commences à faire le mec de cité. Papa, je fais des vidéos. C'est fini. Papa, je fais, c'est mes VOD. Tu me déconcentres parce qu'il faut que j'aille à droite. Papa, c'est mes VOD que je suis en train de faire. De prendre. Papa. Papa, tu sais très bien, mon rêve c'est être youtubeur. Tu faisais encore pipi dans ton lit à 12 ans, mec. Donc commence pas à faire le malin qui veut se la montrer sur YouTube. Ok. Et c'est déjà avoir la moyenne en français et de dessiner sans dépasser des bords. Et on sera déjà pas mal. Papa, tu casses le rêve. Tu casses juste le rêve d'un gosse. Il met au fond, c'est le voilà. Ah, c'est mieux, hein. 30 euros. Ah, ça, c'est pas vrai. Hein? Ça, c'est pas offert. Ah non, bah non. Allez! 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 Gank-le! Gank-le sur la mid-lane! Non, c'est Crash. Ah, pardon. La tornade qui est pas mal! Allez, la tornade qui est pas mal! Le caramel, les gars! On en voit tout là! Et aussi la technique, il va nous cadrer, il va faire un making of, on va faire des. On va faire des vlogs, on va. J'avais pas encore roté. Hein? J'avais pas encore roté. Allez, allez! Les bleus et blancs de la vie vont bayonner. C'est la peña, bayona. Allez, 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 les gars. On doit une fois. Allez, allez. Les bleus et blancs de la vie vont bayonner. C'est la peña, la peña. Le cahier de Rivenzi, le mec est toujours au taquet dans le travail, il écoute, il réagit, il parle, un kick qui répond directement aux questions, c'est pas... Bah le cadre. Ah ok. Bonsoir. Ça va? Très bien. Super. Et ouais, c'était une rencontre un peu particulière. Allez, directement, on voit Chaussette qui... Gilbert, le serveur de Poitiers, en a marre de sa journée. Après avoir servi plus de 300 clients différents qui ont bu chacun des demi qui lui ont fait beaucoup d'aller-retour, maintenant il force les Français à la consommation. Et oui, l'argument choc, je ne ferai pas de tour supplémentaire, lui a permis de gratter nombre de tours et d'argent en vendant des pintes au lieu que des demi. Une affaire sombre, sordide, d'un homme, père de famille, devenu dealer et forceur de boissons. Peut-être l'un des plus grands criminels de l'alcoolémie en France. Une production et un reportage de RTL Télévision. Il est plutôt fort. C'est un reportage incroyable, au cœur de Poitiers. Au cœur de Poitiers avec Gérard. Exactement. À part, Suzanne, macaron pistache. En fait, bon salut. Non, oui, il est occupé. Ah oui. Ok. Sérieusement. Ah, ça commence à rager déjà du côté des joueurs Rainbow, on les connaît pour ça. Ouais, ça rage déjà. Et tu te calmes. Wow. Voilà, ça va calmer direct, ça va calmer là. Regarde, il est déjà plus focus là. On va se prendre une patate. Bon, GL les gars, plus tard. Eh. Mais t'es
Eh ouais, je sais, mais gros. Eh, garde le mental. Ça va, moi, combien de fois je l'ai tué aussi. Ils sont où les trois loupions là? Bah, y'a là-bas. On y va? Ou on se branle? Pardon. Manu! Tu descends? Manu, tu descends? Quel fils de pute. Tu descends? Bah ouais, descends. Ah ouais, allez, viens. C'est bon, il descend. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On y va, les petits loulous? On y va, les loulous? On y va, les loulous? Waouh! C'est bon. Et puis ça fait du bien de sortir de sa zone de confort aussi. Parce que bon, prendre une caméra et gueuler, c'est bon. Hein, on connaît, c'est bon, on fait. On continuera! Mais par contre... allez, à la vôtre. C'est incroyable ça comme talent. C'est un super pouvoir que j'ai. Je peux faire des voix de reportage tout le temps. Et oui, qu'on se fasse le buveur de bière. La gueule. C'est bon, ça te plaît? Ça te plaît, Malik? Hommage, hey, Malik, tu ouais. Frottes pas? Ouvrir la hache, c'est horrible. Ah, Rive est perdu, mais non, mais parce que c'est pas son setup en fait. C'est pas son setup habituel. C'est pas du tout la voiture que j'utilise d'habitude, je suis plutôt dans une Ferrari. C'est quand qu'on arrive, je veux faire pipi. Oh là, commencez pas. Commencez pas à me gonfler à l'arrière, ok? Tu n'en. Je vous fais descendre, je vous. Tu descends. Tu descends. Oh non, 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 oh non, non, oh non, non. Non, non. Bon, la blague va trop loin, je peux pas tirer les câbles. On sort! Bonsoir la sécurité. Bonsoir la sécurité. La sécurité. Tout le monde m'a regardé, c'était énorme. Oh putain, j'ai failli lâcher un truc. Ça aurait été. On a senti que t'allais nous lâcher un truc. Oh, c'est énorme, le temps s'est arrêté. Je vous jure que Rivendi, je me suis retourné, j'ai vu Rivendi chaussette, c'était comme ça. J'étais prêt à crier aussi. Je vais prendre un coup de presse. À 23h30, voilà. Tranquille. Au calme. Non, mais c'était pas. Attends, bouge pas. Yes. Non, en vrai, t'avais un moustique. Non, no joke, vous l'avez vu. Mais vous foutez pas pour live là. Non, mais gigagique, une gigagique. Fais gaffe à ton live. Ouais, non, mais attends, non, il avait un moustique. Eh, vous l'avez vu le moustique. Il m'a fait zéro complicité. Non, y'a. De toute façon, on vous l'a déjà dit, pensez-moi. On s'entend pas, c'est une OPSP, les gars. Moi, j'ai été payé pour être avec Rive. Et Rive a payé pour être avec moi. C'est mes parents qui le payent pour l'accompagner. Voilà, c'est ça. Mes parents qui le payent pour l'accompagner. En gros, non. Non, en gros, moi c'était. Qui me paye. Moi, tes parents m'ont payé aussi pour que je t'accompagne. Hein? Oui. En gros, moi j'ai reçu c'est un. C'est impossible. Je te jure, j'ai reçu un virement de ta mère et de ton père pour que je t'accompagne. Bon, je vais appeler. J'appelle ma mère quand même. Je sais pas, je suis un petit peu. Maman. Ah putain, il y a des numéros. Ouais, salut maman, ça va? Ouais, ta gueule. Du coup, je t'appelais... Quoi? Ah, pardon. Oui, maman, c'était pour te dire... Oui, du coup, t'as payé Auré? C'est quoi ce truc? Il me dit que... Deux? Non, mais je t'ai dit que j'arriverais à me faire des amis normalement. Grosse merde. Enfin... Mais maman, je t'ai dit que je ferais des efforts socialement, ça devrait aller normalement. Pas besoin de payer les gens pour être mes amis. Ok. Oui, non, mais après, ça, c'est... Ouais. Ok. Alors, elle te déshérite? Ouais. Ah, d'accord, donc je suis adopté. Ok. D'accord. Ouais, ça fait pas mal d'annonces d'un coup, même, je t'avoue. Peut-être te laisser respirer un petit peu. Ok. Salut, ouais. Ciao. Alors? Ça remonte? Il y a peut-être un faux contact, ça arrive. Les faux contacts arrivent. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a que deux cibles qui marchent, ça. Là, normalement, ça remonte là-dessus. Ça remonte. Ouais. C'est bon. Ou alors, c'est pour Tours. Je sais plus si c'est pour Tours ou c'est pour Poitiers. Mais il y a un viewer et je ne sais pas son nom. Je sais même pas si c'est une fleur. Je sais pas qui c'est, Rivendi. Il m'en parle pas trop. Des fois, il me parle pas. Il me dit pas les choses. Arrive, il me dit pas les choses. Quoi, pardon? Ouais, il me dit pas les choses, Rive et tout. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que... Attends, vas-y. C'est l'heure du moment chat, c'est l'heure du momo. Quoi? Moment chat? On refait. Non mais putain, t'as quoi? C'est haché, c'est haché. Mais on va pas faire 10 ans de moment chat. C'est haché, c'est haché. 1, 2, 3, 4. C'est l'heure du moment chat. Mais non, mais non, moi je fais la grave, toi tu fais les goûts. Ah ok, d'accord. 1, 2, 3, 4. C'est l'heure du moment. On reprend à 4.
1, 2, 3, 4. C'est l'heure du moment, chat. C'est l'heure du moment. Quoi ? Chat. C'est le pire truc que j'ai entendu de toute ma vie. C'est nul. À gauche, sinon j'ai pas quelqu'un. Ça me stresse quand un mec n'est pas dans le cadre. Juste dans le cadre. Dans le cadre. Ferme-le. Ça me gonfle. Et du coup, ouais, il travaille. Le cadrage. Tu m'as coupé. Oui, pardon. Et ouais, du coup, ouais, il travaille dans une radio. Ça parle que en gueule. Les gars, ta gueule. Il travaille dans une radio. Attends, je vais voir. J'ai un timing, gros. Vas-y, bro. Il a un timing là-dessus, il va voir. Et regardez, Rivenzi, le journaliste français, il vient de capter que Enki avait fini son match, il va y aller directement. Il va aller voir là-dessus, il rentre complètement dans la zone joueur. Il arrive devant Enki, regardez Enki qui est juste là, il vient de terminer son match. Est-ce qu'il va pouvoir parler à Enki? C'est la question qu'on est en train de se poser, messieurs, dames, dans le chat. À votre avis, est-ce qu'il va pouvoir parler à Enki? Oui, il y arrive, le check est complètement frappé. Enki qui se lève, le sourire aux lèvres, il va pouvoir discuter avec Rivenzi. C'est quoi ce qui est en train de se passer là-dessus? C'est monumental, monumental. Rivenzi qui risque de nous ramener Enki sur ce move, c'est bien fait, regardez. Enki, le sourire aux lèvres, peut-être une finale, on ne sait pas, on attend Rivenzi pour avoir un peu plus de réponses, mais justement, j'aimerais bien un petit peu d'informations au niveau de la régie, parce que Gérard a une oreillette du côté de Rivenzi. Ouais, effectivement, j'entends Rivenzi, Enki a l'air perdu celui là-dessus de sa game à l'instant, c'était très très bon free-to-play qu'il vient de faire. Après, au niveau de la finale, il n'y a pas encore d'informations, Rivenzi est en train de réfléchir justement à ce qu'il va pouvoir faire à l'avenir. Écoute, je te remercie pour ces informations, ça c'est énorme. Je sais pas où ils en sont là, je ne peux pas savoir, je n'entends rien, Gérard n'a pas plus d'infos. Peut-être que je vais me rapprocher, là tu sais, une tentative qui peut être tentée, mais ça peut être dangereux de se rapprocher, je sais pas du tout, je me le permets, est-ce que je peux venir, je me permets directement, oui, je suis en train de les approcher, ils ont jamais été aussi proches de moi, c'est incroyable, regardez ce point qu'on est en train d'effectuer, Enki qui nous a remarqué, il a regardé la caméra, on l'a vu, il a dit aussi qu'il a capté directement. Yo mec, ça va et toi? Non, c'est quoi la finale match du coup? C'est on est avec Enki. Solari, Gluttony. La musique, comment ça me calme? Eh, la musique moins fort là! Oh! Salut Manu! Salut, tu coupes, hein. Salut, Grib, salut! Tu coupes? T'as mis le de con! Salut!